Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo, mais je voulais juste faire un petit bilan. Encore une fois, ça fait donc maintenant un an que j'ai changé mon mode d'alimentation. Yeah, voilà. Et je voulais vous dire que je regrette rien, que je continue. Que j'en suis, ouais, là c'est mon petit déjeuner tranquillement le dimanche matin au soleil pour prendre la vitamine D. Toutes les opportunités de se mettre au soleil sont à prendre, même quand on habite dans un petit appartement. Voilà, hop, un petit bout de soleil sur le balcon et on en profite. Et je voulais vous dire que je me sens super super bien, tant au niveau physique, psychologique et tout simplement au niveau bien-être. Et au niveau poids, en un an j'ai perdu en tout 5 kilos, c'est pas énorme. Mais j'avais donc pas beaucoup de poids à perdre. Et en plus, avec mon déséquilibre hormonal, c'est toujours plus long. Mais lui aussi s'améliore. Et c'est ces 3 derniers mois que toute la perte de poids a été faite. Donc c'est quand même assez fulgurant. Et puis, je me suis mis au jus. Voilà, alors ça, c'est quelque chose dont j'avais peur. Et finalement, je me suis lancée dans un challenge de faire 60 jours de jus. Je ne sais pas si vous avez vu le film Fat, Sick and Nearly Dead de Joey Cross. C'est vraiment une inspiration. Et je m'y suis mise et ça fait donc là 18 jours, j'ai commencé le 1er mai, que je vis qu'avec des jus verts normalement, mais comme c'est le matin, j'aime bien me faire un petit jus de fruits. Donc là j'ai mis tomates, fraises et gingembre, c'est délicieux. Vous pouvez laisser votre créativité vagabonder et tester ce que vous voulez. Et si vous avez envie de vous joindre à moi pour le deuxième mois, ce qui sera mon deuxième mois, je fais un challenge de 30 jours pour ceux qui veulent juste soit faire que du jus, soit faire que deux ou un jus vert par jour. Voilà. Et partager votre expérience. Plus on est de fous, plus on rit. Donc je vous embrasse tous, tout va bien ici. Et j'espère vous retrouver très très bientôt. Je vais mettre l'adresse du groupe, l'adresse de la page Facebook en bas. Et je vais essayer d'être plus consistante avec mes vidéos. Voilà, je vous embrasse. Bon jus, ciao.